La première des questions auxquelles est confrontée la politique culturelle aujourd'hui, c'est celle de la dichotomie entre les cœurs urbains, les ensembles urbains, banlieues comprises, et de l'autre côté, le reste des territoires. Il y a un énorme travail à engager enfin pour réduire un peu l'iniquité de traitement des territoires et de leur population. Et de ce point de vue-là, l'éducation populaire renouvelée, intégrant bien évidemment la question des nouvelles technologies, des nouveaux modes de partage, des connaissances, des productions artistiques, des savoirs, que sais-je, et aussi l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, en intégrant ces trois piliers qui sont fréquentés, qui sont pratiqués, qui sont s'appropriés. S'approprier suppose évidemment de disposer des clés pour connaître, comprendre le sens du geste artistique qui souvent échappe à beaucoup de nos concitoyens. Remettre en marche, remettre dans la vie la politique culturelle suppose des moyens nouveaux. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les budgets de l'État ne connaissent pas de progression. Ce n'est pas vrai qu'ils ont substantiellement baissé, mais ils ne connaissent pas de progression. Quant à ceux des collectivités, ils ont connu parfois, et notamment s'agissant de départements ou de régions, des coupes drastiques. Et quant aux collectivités locales, elles disent toutes combien elles ont chaque année des choix un peu plus difficiles à faire. Or, le paysage culturel hérité des décennies passées, nous en sommes responsables et nous avons à son égard le besoin de lui fournir les moyens nécessaires pour qu'il remplisse sa mission. Et cette contradiction est une contradiction terrible. Quand on y rajoute une seconde, c'est qu'on ne doit pas se satisfaire du paysage existant, mais que bien évidemment d'autres modes, on le disait tout à l'heure, de production artistique, de rapport à la population, d'initiatives qui impliquent la prise en compte des cultures des jeunes et notamment à travers les nouvelles technologies dites de l'information. Bref, que la politique culturelle ne peut pas se satisfaire des acquis, sinon elle meurt. Elle doit être dynamique et il lui faut des moyens nouveaux. J'ai écrit un certain nombre de textes pour montrer comment on peut d'ailleurs en trouver, qui permettent à la fois d'actualiser les moyens de l'existant, d'être ouvert au renouvellement des générations et des esthétiques, et ouvert aussi, bien évidemment, à sa juste place pour accompagner la grande dimension culturelle qui reste largement à construire des usages de l'Internet.